Allez, nouveau projet, donc c'est le Ruin House Café, parce que ça va être sympa après, hein. Il n'y a pas l'air bien grand, par contre il y a des fleurs, si ça il faut que je le plie moi-même, ça va pas être simple, enfin bref, on va regarder ça de suite. Allez. Donc déjà nous avons la fameuse peinture, je ne dirai pas plus. Alors, voyons voir. Ouais, donc il y a vraiment. Donc ça encore c'est simple parce que hop hop hop, ça se met de la colle et on peut tout coller, ça va aller relativement vite. Ah tiens, il y a ce truc que j'avais fait dans un des petits dioramas. C'est rigolo, ces trucs tout mou là, comme ça. Enfin, bref. Alors là, c'est quoi ça? Dirait comme une lierre. C'est pas ce qu'il y a au-dessus de la maison, ça? Bah non. Ah, ça donne peut-être ce qu'il y a dedans. On dirait une fleur. Ouais, ça fait penser comme une fleur. Bon, on fait descendre les tiges, on colle des trucs dessus. Encore là, ça n'a pas l'air bien compliqué. Ah, voilà, ce que j'aime pas faire du tout d'ailleurs. Ce genre de fleur là. Hop, 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 il y en a encore là. Ça me dérange pas, c'est facile. Mais alors, les fleurs comme ça là. Et comment je fais pour tourner ça en rond, moi? Ouais, bon, oh là, oui, il y en a encore un. Ouais. Alors, comme dans mon habitude, hein, j'ai souvent l'habitude de ne pas faire toutes les fleurs. Les plantes vertes, toi, ouais, je les fais facilement. Donc, mais les fleurs, il y a des fois, je zappe un peu parce que franchement. La machine à café. Des gobelets, des tasses, des petits meubles à faire. Ouais, il est sympa, je le voyais plus petit que ça. Pourtant, apparemment, il y a pas mal de choses à faire dedans. Donc, il y a toutes les vitres. Oui. Pas mal. Par contre, il est tout fermé après, non? Il me semble. Ou le devant de la porte peut-être est ouvert, là. Donc, les piles sont toujours par-dessous apparemment. Elles se cacheraient sûrement dans un des meubles ou quelque chose. Ouais, pas sûr. En tout cas, le bouton est sur les côtés, on dirait. Enfin, je sais pas trop, mais je le verrai au fur et à mesure. Hein, mais ouais, le bouton est sur le côté, donc le truc de pile, le porte-pile, il doit être dans celui-là, dans ce truc-là, ici, là. Ben, il m'a l'air bien sympa aussi, celui-là. Bon, à part toutes les fleurs à faire, hein, mais bon. Donc, comme d'habitude, donc vous avez l'herbe, vous avez l'espèce de feuillage, tous les petits pots, les plantes, les trucs qu'il faut mettre dans les petits bacs à fleurs. Ensuite, on a la lumière. Il n'y a qu'une seule LED dans celui-là. Ah non, il y en a plus. Il y a des petites LED comme ça que j'aime bien. Un peu de décoration, bouton. Marche arrière, oui. Voilà. Ensuite, bien sûr, nous avons le fameux pinceau qui. Je sais pas si on est beaucoup à l'utiliser quand même, parce que franchement. S'il perdait pas les poils comme ça, ouais, ce serait bien, mais là, même en faisant ça, regardez, il les perd de partout, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas pour ce que ça coûte un pinceau. Ouais. Chaque action, ils en vendent, vous en avez, je sais plus combien, pour vraiment très peu, quoi. Hop. Donc, on va regarder un peu les planchers. Si j'arrive à des fleurs plastiques, voilà. Alors, est-ce que ça c'est important? Je sais pas.
Il faudra que je le regarde après. Donc, vous avez quand même des éléments qui sont déjà peints. Ça, c'est bien. Donc là, non. Là, vous avez bien sûr pour faire les fleurs, parce que ça, c'est des papiers à fleurs. Voilà. Ensuite, ça, c'est le socle. Donc, voilà, hein, c'est pas très très grand. Hein. Et là, ça doit être les dessus pour faire le toit. Donc, le triangle au milieu, à mon avis, il n'était pas. Il y a tout qui se perd là. Non, mais ça doit être autre chose. C'est pas grave. Apparemment, c'est pas très important. Les vitres. Ouais, super. Plein de vitres à découper. Cool. C'est une blague. Alors. Donc ça c'est qu'un côté donc qui va aller je suppose comme ça oui parce qu'il y a ça là comme ça. Donc ça doit être le gabarit pour toutes les vitres. Et ça c'est quoi? Ah bah c'est pour les fleurs. Ah oui d'accord. On a quand même des gabarits pour le découpage des fleurs. Ben ça je pense que ça va sûrement bien nous aider parce que je me voyais mal faire ce genre de spirale comme ça à main levée quand même. Pas mal. Donc ça par contre j'essaierai. Et en tant que découpage, il y a combien? Il n'y a que 3 pages. Voilà, il n'y a que ça en découpage. Donc ça devrait le faire. Voilà. Donc les verres, on les met toujours de côté. Enfin les verres pour faire les vitres. Ça va là. Il faut repérer ce qui se peint et ce qui ne sera pas peint. Donc ça non. Par contre, en suivant la couleur, en fait, il y a tout à peindre en vert marron, en vert pas marron, en vert foncé. Les portes en blanc, les fenêtres en blanc, le petit truc là en blanc. Bon. On va voir ça. Allez, c'est parti.